Salut à tous, c'est Planck de la chaîne Lo, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et des fuites. Dans beaucoup de systèmes, la plupart du temps, on nous enseigne qu'il est important de pouvoir suivre notre partenaire dans ses problématiques, dans ses orientations, dans ses discours. Et certaines techniques, certains systèmes vont même parfois ne jamais interrompre ou couper le partenaire. Parce qu'ils estiment qu'il y a un besoin de verbalisation d'un ensemble d'éléments afin d'atteindre une certaine catharsis, c'est-à-dire une forme de libération émotionnelle quand ça touche certains points. Dans l'hypnose et dans pas mal de thérapies brèves, on est un petit peu plus orientant, bien que la plupart du temps, on ait un discours scolaire, entre guillemets, qui nous dit votre partenaire va vous orienter là où c'est le plus important pour lui, faites-lui confiance, posez des questions et vous verrez qu'à un moment donné, on arrivera à des éléments clés. Ce qui pose assez problème, c'est que ça ne prend pas en compte l'expérience des praticiens et les sessions qui ont été faites et l'expérience des personnes qui ont quand même créé deux, trois petites théories, même si elles sont toujours à remettre en question. Ou à un moment donné, dans le discours, ça recoupe des logiques, des dynamiques qui ont déjà été vues, perçues ou étudiées à un moment donné, et qui montrent une fragilité, voire peut-être le cœur de la problématique pour cette session-là. Et si on laisse le partenaire rebondir ou ne pas répondre précisément aux questions qu'on lui pose, parce que ils vont aller à gauche ou à droite, ils sont en train de faire des évitements ou des fuites. Insister sur des éléments dont le partenaire tente à longueur de temps d'éviter de répondre est pour moi un élément essentiel. Non, le partenaire ne nous amène pas forcément là où il y a quelque chose d'intéressant, voire la plupart du temps, il va éviter les points chauds, ceux qui vont vraiment poser problème. Parce qu'ils vont considérer que ça ne fait pas partie du sujet, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller remuer cette partie de leur vie, et c'est complètement compréhensible. Néanmoins, à ce moment-là, dans le cabinet, c'est pas eux de juger. Je vous rappelle, la posture qu'on prend nous dans notre cabinet est propre. Celle que moi, par exemple, j'ai décidé de prendre, c'est de driver, donc d'avoir une posture haute, et ça je le mets en avant depuis des années, je pense que déjà naturellement l'hypnose est une posture haute, et par moment de dire non mais ce que tu dis je m'en tape là, parce que à un moment donné j'en ai rien à battre de la réponse qui est donnée, en fait ça ne donne pas de réponse à la question que j'ai posée. Une des problématiques qui nous arrive souvent, c'est de se faire embarquer par des évitements et par des fuites. C'est-à-dire que on pose une question qui est précise parce qu'on s'est rendu compte que ça revenait de manière récurrente, que c'était sous-jacent, que le boulot qu'on a l'habitude de faire, on l'a vu plein de fois et on se dit ça, il y a vraiment quelque chose à aller voir dessous. Et la personne va commencer à raconter une histoire. Alors, dans cette histoire, il y a plein de nouveaux éléments la plupart du temps, et on peut hyper facilement se laisser embarquer dedans. D'ailleurs, il y a certains systèmes qui vont exploiter l'histoire pour la réétudier, surtout si c'est une histoire qui va être métaphorique, pour la réexploiter dans la problématique de session. Le problème là-dessus, c'est que nous, ça nous fait perdre le fil. Et le questionnement et la logique qu'on a pu commencer à mettre en place dans l'étude de la carte de notre partenaire. La carte étant l'ensemble des processus psychiques et les liens de cause à effet qui créent sur différents éléments de sa vie. C'est comme si à un moment, on était en train de cartographier quelque chose et que le gars nous dit, bah voilà, on était en train de cartographier cette zone-là et il va nous ramener dans cette zone-là. Mais moi, je veux finir de cartographier ici. Le problème, c'est que si on ne coupe pas et on n'interrompt pas notre partenaire, il va nous donner plein d'infos, il peut même faire des décharges émotionnelles, il peut créer plein de choses, mais ça ne répond pas
à la question que j'ai posée. Donc, il est en fuite par rapport à cette réponse. Il est en évitement par rapport à cette phase de la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez l'interrompre et dire, tu me réponds pas, là ce que tu me dis, je m'en fous complètement, c'est pas ma question. Reviens sur ma question, est-ce que sur telle ou telle chose, il s'est passé tel ou tel truc, ou tu ressens ceci, ou qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Tant que vous n'avez pas la réponse, vous risquez à nouveau de vous faire envoler dans tous les sens. Et dès lors, ne pas toucher les points qui peuvent être clés pour la session. Parce que bah, ça, c'est trop gênant pour le partenaire. C'est trop gênant tout simplement parce que ça peut remuer, parce que c'est des choses que lui-même, à un moment donné, peut-être estime que il n'a pas envie d'y toucher, et ou qu'il n'est pas là pour ça. Souvenez-vous, là encore, c'est vous qui décidez votre cadre, c'est vous qui décidez votre façon de fonctionner, c'est pas votre partenaire qui vous dit ce qu'il faut faire. S'il a envie de quelqu'un comme ça, bah, il va voir un psychanalyste ou autre qui va le laisser beaucoup, beaucoup de lest. Et encore que ça dépend des psychanalystes. Donc, nous, notre cheminement, en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est ne vous laissez pas embarquer. Si à un moment donné, vous ne savez plus pourquoi le mec te parle de ça, voire, et ça, les partenaires le font souvent, vont répondre à un truc, ils vont te dire. Tu peux me rappeler de quoi on parle ou c'est quoi la question? La plupart du temps, il y a plein de praticiens qui ne se souviennent pas. En gros, bah, on s'est fait embarquer dans une histoire, on a été coupé de notre sujet et on s'est laissé aller ailleurs. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment être dans cette dynamique. Moi, souvent, je partage avec mes apprenants, c'est de dire, vous laissez parler. Maximum 20-30 secondes. Encore quand c'est pas 15 secondes. En gros, je veux une réponse. Je veux pas que tu m'écrives la Bible. Je m'en tape complètement. Je m'en fous de savoir toute l'histoire de vie qu'il y a autour. Je m'en tape. J'ai une question. Je veux une réponse. Faites également attention au fait que quand vous posez cette question, il peut y avoir des émotions, des retours physio où votre partenaire, vous avez l'impression qu'il est en train de toucher un point hyper important et vous focalisez un petit peu sur ça alors que ça ne répond toujours pas à votre question. Ça, c'est les fuites de beaucoup de centres émotionnels. Centres émotionnels, ils pleurent hyper facilement. Or, parfois, on a assimilé le fait de pleurer ou d'exprimer ses émotions comme étant un élément positif dans l'accompagnement qu'on est en train de faire. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que pour énormément d'émotionnels, pleurer à la demande, c'est super simple. Même si, bien sûr, là, il ne le fait pas volontairement, mais il est en train, hop, de se mettre en mode pleurnicheur. Et, bah, en tant que praticien, on peut se dire, ah, bah oui, bah là, on est en train de toucher quelque chose, ça lui fait remonter des émotions et tout. On s'en tape. J'ai une question. Je veux ma réponse, que tu chiales ou pas, c'est pas grave. Donne-moi ma réponse. Alors, comme ça peut paraître un peu abrupt. Bon, quand c'est vécu, ça peut aussi paraître un peu abrupt. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que on ramène notre partenaire face à certaines choses qui, souvent, envie d'éviter, envie de ne pas voir. Or, le fait de le voir, d'en prendre un tout petit peu conscience, même si à la fin de la session ou la semaine qui suit, ils ont zappé cette notion-là parce que c'est trop intense ou parfois trop violent pour eux, ça leur permet à un moment de recadrer des choses. Et comme souvent je vous le partage, pour moi l'accompagnement de la thérapie, c'est un énorme recadrage, surtout avec la psyché, hein, c'est un énorme recadrage. Donc une capacité à créer des options de perception à un moment donné qui va changer de ce que jusqu'à présent on percevait comme étant la réalité, en tout cas la nôtre. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je vais répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!